Bonjour, je suis vraiment ravi de vous rencontrer, mes chers fans de Je Communique TV. Alors voici Communication progressive du français avec 270 activités. Alors ce livre est destiné uniquement pour les adolescents, les faux adolescents, les adultes aussi, pour améliorer leur façon de communiquer. Communication progressive du français avec 270 activités de l'édition Clé internationale, réalisée par Claire Muckel. Alors, je vais vous proposer une activité de communication correction. Alors, je propose de vous abonner à notre chaîne, Je Communique TV. Cliquez sur l'abonnement. Cliquez aussi sur like si vous aimez bien sûr ces vidéos. Et ajoutez aussi des commentaires au-dessous des vidéos. Dans la partie de commentaires, vous pouvez ajouter votre opinion pour améliorer notre chaîne. Et aussi de cliquer sur la cloche pour avoir de nouveautés. Je Communique TV et votre chaîne Aventure. Alors, exprimer des intentions, des projets. Et c'est l'acte parole de se renseigner et renseigner. Et activité maintenant, on va commencer par la première activité déjà connue, c'est vrai ou faux. Par exemple, Félix voudrait ouvrir un compte courant, est-ce que c'est vrai ou faux? D'après bien sûr votre lecture et compréhension du dialogue, ça veut dire la situation dans une banque. La situation de communication qu'on a déjà abordée. Alors, répondez en utilisant le même verbe au futur simple. Par exemple, tu parles polonais, non, mais un jour je parlerai une autre langue. Alors, avant de faire la correction, il vaut mieux de vous rappeler bien sûr la situation de communication dans une banque. Et après, on va faire la correction de ces deux activités. À la banque ou dans une banque, c'est donc la situation de communication qu'on va voir aujourd'hui. Comme révision, après on va faire quelques corrections. Alors, à la banque, ici Félix parle à un employé de la banque au sujet d'une ouverture d'un compte d'épargne. Il veut tout simplement avoir une maison ou un appartement dans quelques temps. Alors, il va faire quelques économies. Bonjour madame, je pense ouvrir un compte d'épargne, s'il vous plaît. Oui monsieur, dites-moi, vous avez des projets particuliers? Oui, un jour j'achèterai une maison ou un appartement. Quand est-ce que vous pensez réaliser ce projet? Pas tout de suite, je dois d'abord faire des économies. Sur ce compte d'épargne, quelle somme est-ce que vous pouvez mettre tous les mois? À peu près 80 ou 100 euros maximum. D'accord, mais vous savez, si vous souhaitez changer le montant, il n'y a pas de problème. Alors ici, Félix est venu à la banque pour avoir quelques renseignements concernant l'ouverture d'un compte d'épargne. L'employé répond gentiment à toutes ces questions. Alors, vous avez bien compris, bien sûr, le dialogue. Voici la correction de la première activité. Vrai ou faux? Félix voudrait ouvrir un compte courant. C'est faux. Ce n'est pas vrai. Félix voudrait tout simplement ouvrir un compte d'épargne. Il a suffisamment d'argent pour acheter une maison. C'est faux. Il pense ouvrir un compte d'épargne pour économiser chaque mois une somme d'argent pour qu'il puisse acheter une maison ou un appartement. Alors, il a suffisamment d'argent pour acheter une maison, c'est faux. Il va mettre de l'argent tous les mois sur un compte d'épargne, oui c'est vrai.
C'est pour cela qu'il ouvre un compte d'épargne. Alors Félix voudrait ouvrir un compte courant, c'est fou. Ce n'est pas vrai. Il a suffisamment d'argent pour acheter une maison, c'est fou. Ce n'est pas vrai. Il va mettre d'argent tous les mois sur un compte d'épargne, oui, c'est vrai. Pour économiser un petit peu pour acheter une maison ou un appartement dans quelques mois. Alors, deuxième activité, il faut répondre en utilisant le même verbe ou plusieurs simples. Le verbe, c'est parler, aller, pouvoir, faire, voir, avoir. Tu parles polonais, c'est le verbe parler. Vous allez à la mer, c'est le verbe aller. Il peut venir maintenant, c'est le verbe pouvoir. Tu fais du sport, c'est le verbe faire. Ils voient leur cousin, c'est le verbe voir. Elle a une voiture, c'est le verbe avoir. Alors on dit, tu parles polonais. Non, mais un jour, je parlerai une autre langue. Je parlerai une autre langue. Vous allez à la mer. Non, mais probablement, nous irons cet été. Elle peut venir maintenant. Non, mais elle pourra venir la semaine prochaine. Elle pourra. Et tu fais du sport. Non, mais un jour je ferai du tennis. Ils voient leur cousin. Non, mais ils verront leur oncle bientôt. Il a une voiture. Non, mais il aura une moto après son bac. Tu parles polonais. Non, mais un jour je parlerai une autre langue. Vous allez à la mer. Non, mais probablement nous irons cet été. Elle peut venir maintenant. Non, mais elle pourra venir la semaine prochaine. Tu fais du sport? Non, mais un jour je ferai du tennis. Elle voit leur cousin. Non, mais ils verront leur oncle bientôt. Elle a une voiture. Non, mais elle aura une moto après son bac. Alors, je parlerai, hein. C'est le verbe au futur simple. C'est le verbe parler au futur simple. Nous irons. Attention, c'est un verbe de troisième groupe. C'est un verbe irrégulier. Le verbe aller. Nous irons cet été. Elle pourra venir la semaine prochaine. Je, c'est le verbe pouvoir. Je ferai. C'est le verbe faire. Ils verront. C'est le verbe voir. Il aura. C'est le verbe avoir. Alors, il aura. Ils verront. Je ferai, elle pourra, nous irons, je parlerai. Voilà. Alors on passe maintenant aux autres activités. Allons-y. Alors je propose de vous abonner à notre chaîne, Je Communique TV. Cliquez sur l'abonnement. Cliquez aussi sur like si vous aimez bien sûr ces vidéos. Et ajoutez aussi des commentaires au-dessous des vidéos. Dans la partie de commentaires, vous pouvez ajouter votre opinion pour améliorer notre chaîne et aussi de cliquer sur la cloche pour avoir de nouveautés. Je Communique TV et votre chaîne aventure. Choisir la bonne réponse, c'est troisième activité de communication progressive du français avec 270 activités. Amandine veut faire des économies espèces. Alors, qui est donc la bonne réponse? La même chose pour les autres propositions. Maintenant, 4. Voici quelques projets. Faites des phrases pour les présenter en variant les structures. C'est très important. Voici quelques projets. Faites des phrases pour les présenter en variant les structures. C'est un jeu de manière de dire. Troisième activité, c'est un jeu de vocabulaire. Il faut choisir tout simplement la bonne réponse. Et quatrième activité, il suffit tout simplement de faire des phrases. C'est le plus important pour les présenter en variant les structures. À l'aide, bien sûr, de manière de dire. Allons-y, on va faire la correction dans quelques instants. Alors, activité numéro 3, choisir la bonne réponse. On dit, vous nous rendez la caution. La caution, c'est pas la location. Il y a une différence entre la caution, ça veut dire somme d'argent, ou la location. Location qui vient de louer.
la location de voiture, par exemple. Elle a acheté un vélo tout-terrain, ça veut dire VTT. C'est pas tout style. Est-ce que nous pouvons louer des vélos à l'heure? C'est pas acheté. Il voudrait un vélo de course. C'est pas de cours. De course. Il est plus prudent d'utiliser un antivol. Ah! Voici la correction. Choisir la bonne réponse. On dit, vous nous rendez la caution. C'est pas la location. La caution. Elle a acheté un vélo tout terrain. Est-ce que nous pouvons louer des vélos à l'heure? Il voudrait un vélo de course. Il est plus prudent d'utiliser un antivol. La location de vélo est une bonne solution. Alors, on dit, vous nous rendez la caution. Elle a acheté un vélo de terrain. Est-ce que nous pouvons louer des vélos à l'heure? Il voudrait un vélo de course. Il est plus prudent d'utiliser un antivol. La location de vélo est une bonne solution. C'est ça la bonne réponse. Complétée par une expression d'intention. D'intention. Par exemple, vous désirez louer des skis. Oui. Vous préférez louer des skis. Vous aimez louer des skis. Vous aimeriez louer des skis, etc. Vous désirez louer des skis. Nous avons l'intention de partir dans les Alpes. Parce qu'il y a ici un apostrophe, alors il y a deux places. Parce qu'il y a expression ici d'intention, on dit avoir l'intention. Nous avons l'intention de partir dans les Alpes. Tu veux ou tu voudrais un vélo de course. Pas tu veux, mais tu voudrais. Il vaut mieux d'utiliser tu voudrais. D'accord? Tu voudrais, on dit tu voudrais. C'est pour faire des promenades dans la campagne. Vous préférez prendre des vélos pour toute la journée. Vous voulez garder de vélos tout le week-end. On peut dire aussi vous voudrez. Voudriez. Ah, c'est bien d'utiliser vous voudriez. Vous désirez louer des skis, nous avons l'intention de partir dans les Alpes, tu voudrais ou tu veux un vélo de course pour faire des promenades dans la campagne. Vous préférez prendre des vélos pour toute la journée, vous voulez ou vous voudriez garder le vélo tout le week-end. Bon, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé bien sûr cette vidéo. Vous pouvez partager partout dans le monde. Et si vous êtes bien sûr de nouveau, vous pouvez vous abonner, mettez des likes, mettez aussi des commentaires pour améliorer notre chaîne. D'accord? Alors, à la prochaine.